Allez. L'on aime. Bang, bang. Coucou, on est à Romainville, quelque part dans Paris, avec Fabien et Sam. On va faire plein de belles petites choses là aujourd'hui. Allez, let's go. Facile. Là les gars, on a trouvé un petit 3-6 press avec Théo. Donc on va se le tâter, on a déjà fait 2-3 preps. Il est un peu plus gros que petit en fait. Je sais pas combien de pas il fait, mais on l'a pas en sèche. Mais en tout cas, il est pas mal. Je vous montre, c'est celui-là. Et vas-y Théo, fais-nous un essai, vois. Ouais. Ok. Attends. Oh. Oui. Putain, j'étais presque dessus là. J'aurais pu mettre les deux pieds, mais j'ai eu peur. Comment c'est dur. Théo, il l'a posé, il va le refaire. Tu le reposes, Théo. Allez. Oui. Oui. Allez. Oui. Oh là là, il va le stick first try, le mec. Oh, c'était chaud. Ah, je suis content. Bah, je refais direct. Allez. Allez. Oh oui. Ah. Allez. Ah, dommage. Oh. Il a été bien comme dernier try. Yes. Oui. Oui. Yes. Oui. Ok les gars, on est à un moment très attendu par la communauté parcours trekking. Et c'est Sam qui va débloquer son wall flip en extérieur. Donc partagez la vidéo si vous pensez qu'elle va réussir à le débloquer. Tu stresses? Bah un peu ouais. Facile, oui, oui, oui. Yes. Ouais. Let's go. Voilà. C'est pas filmé. T'as pas filmé? T'as pas filmé? Non. C'est pas grave, on va le refaire là. Voilà. Yes, il est bien. Oui. 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 Yes. Let's go. Voilà. Oui. Yeah. Yes. Bon les gars, là ça y est, on a changé de spot. On est arrivé à Bobigny, donc c'est pas très loin en vrai. Et on a fait la petite pause repas. Théo il est en train de faire sa sieste. Ouais. Regardez-le comment il est fatigué. Vous avez déjà vu Théo fatigué? C'est une micro-sieste là, je m'endors 20 minutes. Et après j'y repars. Ouais, après il est chaud. Et Sam qui digère, parce qu'il a mis environ 3h30 à digérer. Et voilà, petit repas tranquille. Et après, ça part. On a trouvé un spot, il est incroyable, je vais vous montrer ça. Franchement, il régale. En vrai, je crois que j'ai déjà vu des vidéos ici, mais je suis pas sûr. Mais franchement, il est pas mal, il est grand. Et il y a quand même pas mal de choses à faire. Une petite. Il y a une petite architecture qui régale quand même.
Donc voilà, on va essayer de vous faire des petites lines. C'est parti mon gars. Bon ça y est les gars, avec Théo on commence à se chauffer un petit peu là. Et on s'est trouvé un petit challenge. On va essayer de faire ce petit chapresse là. Donc voilà, il est sympa, on va voir. Théo il a fait des petites prêves déjà. Et voilà. On va tenter ça, c'est parti. Oui. Oh oui, bien, bien, bien. Let's go, propre. Oh, dommage. Oui. Yes. On veut faire lui maintenant. Il est un peu plus long, un peu plus sketchy et il y a moins d'élan. Oh là là. Yes. Yes. Sam en une journée elle a débloqué wall flip contre un mur dans les copeaux de bois et wall flip béton 3 fois. Béton 3 fois. Machine. Yes, un monstre. Yes. Putain, il me faisait peur. Fini. Let's go. Putain, ce con gainer, mon gars. Ah, mes chevilles. Salut, salut. Alors on est dans un petit stade là, bien sympa, au calme. Il y a personne, je suis tout seul. Et je vais travailler un peu les accros au sol. Parce que moi j'adore les accros sur les modules, tout ça. Les départs modules. Mais au sol, je travaille pas assez. Du coup, c'est parti. Dans l'herbe, il n'y a rien de mieux. Allez, let's go. Sorti back, regrab et on voit après.
Ok les boys, aujourd'hui c'est échauffement en mode cardio. J'essaye de faire des runs d'une minute, je mets le minuteur. Et je fais des runs de flow d'une minute. Je me suis échauffé sur la table là-bas, j'ai fait un run sans accro, une minute. J'en ai fait un sur le petit banc là avec une petite accro et là je vais essayer d'en faire un troisième avec un peu plus d'accro pour taper dedans un peu. 5, 4, 3. Ok, je fais des preps d'upcork et après j'essaie de faire une ligne avec d'upcork au début et scoot de poule à la fin avec des accros au milieu pour péter le cardio. Donc là j'ai fait une ligne de moins de 10 secondes avec d'upcork et de poule et le but ça va être de l'allonger. Donc je commence par le d'upcork, je finis par le de poule. Mais je rajoute des trucs au milieu, du flow, comme tout à l'heure à l'échauffement. Je sens plus mes mollets, faut que je rentre. Aïe aïe aïe, je vais manger un peu. Yo, encore un échauffement. Comme la dernière fois, je fais 3 fois une minute cardio. En mode flow. 4, 3, 5, 4. Je veux redébloquer un move. C'est le wall palm side. Ça fait longtemps que j'ai pas fait et du coup je vais le redébloquer. Oh mais ça passe crème normalement. Yes. Ça va? Là ça fait plaisir là. Là on aime là. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. En ce moment je bosse pas mal, c'est pour ça que je vous mets plein de mini sessions dans les vlogs. Et si ça t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, liker, partager. Let's go.